Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter mes 10 meilleurs exercices avec élastique. Si vous êtes intéressé par cet accessoire et vous vous demandez comment on les fixe, ces élastiques, c'est simple. Dans n'importe quelle encre de porte, donc quasiment toutes les marques, vous avez ça. Une encre de porte, dans tous les packs vous avez ça, une encre de porte ici. Ça se met en haut de la porte, près des charnières, entre les charnières, en bas, au milieu, n'importe où. Fixé ici, d'accord? C'est la même chose, c'est bloqué derrière avec une partie en mousse. Et à l'intérieur, vous fixez vos élastiques. Vous mettez les résistances que vous voulez pour pouvoir travailler efficacement. Si vous découvrez tout juste ma chaîne, je me présente, je m'appelle Ken, je suis coach sportif et sur cette chaîne, je cherche à vous montrer qu'on peut atteindre n'importe quel objectif physique et athlétique depuis chez soi. J'utilise toutes sortes d'accessoires, les barres, les haltères, kettlebell, sangles de suspension et principalement les élastiques. Les élastiques, ça fait plus de 20 ans que je les utilise. À l'époque, je pratiquais le pancrace et le lutte contact. Donc, c'est du combat libre sportif, ce qui peut ressembler un petit peu au MMA. Et j'utilisais beaucoup les élastiques en préparation physique générale pour mon sport. Ça fait 4 ans que j'ai ma chaîne. Ça fait 4 ans que je parle principalement des élastiques. Je me suis vraiment spécialisé dans la musculation générale avec élastique. Donc, c'est plutôt musculation fonctionnelle, musculation athlétique avec élastique. Mon objectif ici, c'est vous rendre plus athlétique, plus en forme, que vous cherchez à prendre du muscle ou vous dessiner et surtout aussi vous rendre plus athlétique, plus complet dans la vie de tous les jours, d'accord, plus performant dans vos actions quotidiennes ou dans votre sport. C'est ça, en plus d'améliorer votre condition physique générale. Là, je vais vous faire part de mes 10 exercices favoris à l'heure actuelle, mes 10 exercices favoris avec élastique. Il y en a beaucoup d'autres, il faudrait que je fasse un choix, j'ai choisi 10, je vous présente ça tout de suite. Allez, c'est parti. Alors, le premier exercice, un grand classique, le développé debout avec les élastiques. Donc, je fais les jambes écartées, force sur mes appuis. Plus vous êtes puissant, plus il faut écarter les jambes l'une de l'autre le plus loin possible pour être vraiment stable. Le corps ne bouge pas du tout, je reste stable. Vous voyez, le tronc ne bouge pas. Je pousse sur les bras pour travailler les pecs, les triceps, les épaules. L'opposé, donc le rowing, donc je pareil, les jambes écartées, cette fois-ci sur la même ligne. Je peux mettre une jambe devant, une jambe derrière aussi. Fléchis sur les jambes. Pour être solide, et pareil, je tire les épaules en arrière, puis les coudes pour travailler le dos. Plus vous êtes fort, plus vous devrez descendre en position basse sur les jambes, qui va faire aussi travailler les cuisses en même temps que vous travaillez le dos. Là, le squat, donc les élastiques derrière les bras, les coudes bien ouverts pour pas que les élastiques glissent devant. J'appuie bien, j'ai bien les pieds ancrés sur les élastiques, je descends doucement, les genoux ouverts et je remonte. Donc un squat classique, donc bien le poids sur le toute la plante des pieds sur les talons, je descends le corps droit, j'ai pas peur d'avancer les genoux en descendant en gardant le poids sur les talons et je remonte droit en gardant les élastiques derrière. Celui-là, un de mes favoris pour travailler toute la chaîne postérieure, lombaire, fessier, ischio-jambier. Donc j'ai les jambes légèrement fléchies pour libérer le bassin et pour être solide sur mes appuis parce que je tire en avant, je me laisse tirer en avant pour avoir un étirement sous la chaîne postérieure, les lombaires, on voit les bras qui sont tirés vers l'avant et je remonte en sortant le bus en me redressant bien. Donc c'est un peu une variante du soulevé de terre avec une traction qui est en diagonale, donc il y a moins de tension sur la colonne vertébrale. Donc là, des fentes en fente alternée, donc l'élastique il est attaché derrière en bas pour avoir une résistance du haut, du bas vers le haut, mais en diagonale, légèrement en diagonale pour avoir une instabilité sur le gainage. Là je monte, je pousse sur l'élastique, donc j'augmente la résistance de l'élastique et je stabilise le mouvement parce que l'élastique veut me tirer en arrière. Un gros travail sur les cuisses avec en plus une stabilité à travailler pour le gainage. Là mon grand favori pour travailler de façon ciblée les pecs, à genoux, une main en sol, et là je pousse le bras en diagonale vers le sol, donc là je travaille en unilatéral, ici bras gauche. Vraiment le top du top pour travailler en force, pour travailler de façon ciblée. Souvent, on a du mal à sentir les pecs avec les élastiques. Celui-là, faites-le, vous allez voir que vous allez vraiment sentir les pecs. C'est ciblé. Donc, le gainage travaille aussi, mais il ne nous perturbe pas ici pour le mouvement. Contrairement aux autres exercices, on est perturbé avec le gainage, la stabilité. Là, on est vraiment en puissance sur un muscle ciblé sur les pecs. Donc, travail sur le dos, tirage vertical. Donc là, je me cale à la porte. Je tire bien les épaules vers le bas, j'éloigne les épaules et les oreilles. Premier mouvement, c'est ça, hein, la base, pour bien cibler le dos, bien cibler le dos. J'abaisse les épaules et ensuite les coudes suivent. Les coudes se descendent vers le sol. D'accord ? Et là, je monte un peu plus éloigné. Donc, vu que c'est un tirage vertical, je me penche en avant. Voilà, je sors bien la poitrine. Les épaules s'abaissent, les coudes suivent. Vous voyez, les épaules s'abaissent, les coudes suivent pour bien cibler le dos. D'accord, toujours les épaules basses et pousser en arrière. Je vous montre une variante aussi si jamais le bassin est un peu bloqué. Un genou au sol pour bien être penché en avant. Et pareil, vous voyez, le dos s'aligne avec les élastiques pour bien avoir un bon tirage vertical. Sortez bien la poitrine, épaules abaissées.
Là, mon favori pour les obliques, j'ai déjà montré dans plusieurs vidéos celui-ci, je pivote d'un côté, de l'autre. Donc là, il y a un grand travail de coordination aussi. Est-ce que les jambes bougent aussi? Ouais, je pivote les jambes sur un côté, sur l'autre. Je stabilise à chaque fois à la fin du mouvement une demi-seconde pour bien travailler la sangle abdominale, la taille. Et je peux le faire de façon explosive en poussant fortement sur les jambes. Donc un vrai transfert de force du bas des jambes jusqu'aux obliques. Je pousse fort sur les jambes et je stabilise. Donc là, un travail de coordination. Ça, j'aime bien travailler jambes, épaules, appui. Donc là, je monte en fente, je pousse sur les bras vers le haut pour travailler les épaules. Donc voyez, les élastiques, par contre, collent toujours les bras pour pas être tiré en arrière, pour protéger l'articulation des épaules. Là, je pousse légèrement les bras en avant, je garde bien les élastiques collés aux bras. Voilà, je monte, je me redresse dans la position fente et je pousse sur les bras. Une sorte de thruster, mais là en version fente. Donc thruster, c'est en squat avec haltère souvent. Là, je vous montre une autre version. Vous avez vu, j'ai mis l'élastique derrière les bras. Là, je mets l'élastique devant. Là, le fait de faire devant, on va travailler de façon plus ciblée le devant des épaules. Tout à l'heure, c'était vraiment l'ensemble des épaules, la chaîne, plutôt les faisceaux latéraux, le faisceau latéral des épaules. Là, on est plutôt sur le faisceau antérieur, le devant des épaules et la partie haute des pecs. C'est beaucoup plus dur parce on est beaucoup moins stable. Donc, vraiment, vraiment beaucoup plus dur. Un autre exercice très complet, squat avec rowing. Vous voyez, squat rowing. Donc là, un travail d'explosivité. Et plus je suis à l'aise, plus je le fais en sautant. Ici, ce que j'appelle un gainage aérien, c'est que je saute, je fais mon tirage en haut et je reviens au même endroit que j'ai démarré. J'ai atterri bien sur mes pieds à la même ligne. Voilà, d'abord, je vous montre sans le saut. Là, j'explose, je tire bien les épaules en arrière de façon dynamique. Et après, avec le saut, j'atterris toujours au même endroit. Je ne suis pas embarqué par les élastiques, je suis stable, je résiste bien à la tension des élastiques. Donc voilà, vous avez 10 exercices vraiment intéressants, complets, donc sur les cuisses, le haut du corps, de façon complète, des exercices combinés qui sont très intéressants pour finir la séance, pour travailler le cardio en même temps, pour travailler la condition physique générale, la coordination qui est vraiment une qualité physique très importante. Si vous vous demandez combien de temps de repos il faut prendre, combien d'exercices il faut choisir, combien de répétitions il faut faire, combien de séries, combien de séances par semaine, tout ça, c'est beaucoup trop compliqué à répondre en une phrase. Ça dépend de trop trop de choses. Mais j'ai fait quelques vidéos sur ce sujet qui peuvent vous aider, vous aiguiller un petit peu pour mieux comprendre, pour avoir les bases, vraiment les bases. Hein. Je ne peux pas tout vous donner en une seule vidéo. Hein. Moi, je m'intéresse à la musculation depuis que j'ai 18 ans. Ça fait 7 ans déjà que j'ai passé mon diplôme. Depuis 7 ans, je continue à me perfectionner. Donc voilà, en une seule vidéo, vous n'allez pas avoir toutes les infos. Mais déjà, vous pouvez avoir pas mal de bases pour faire les bons choix, pour arriver dans les bonnes méthodes. Il y a quelques explications qui sont très importantes pour commencer. Donc si ça vous intéresse, je vous mets le lien de la vidéo dans la description. Vous allez retrouver le lien de la description de cette vidéo qui a déjà été faite. Et sinon, si vous voulez aller un peu plus loin avec les élastiques, j'ai créé un PDF de 21 exercices avec élastiques offerts, ainsi qu'une série de vidéos pour vous aider à atteindre vos objectifs physiques athlétiques depuis chez vous. Cette série vidéo, il y en a 4 pour vous aider donc à aménager votre salle chez vous, salle de sport avec différents accessoires à faible budget. Il y a une vidéo qui va être ciblée sur comment faire pour s'affiner, pour perdre du poids. Une vidéo qui va vous aider à prendre du muscle de façon athlétique, prendre du muscle fonctionnel. Et une vidéo qui va vous aider à améliorer votre condition physique générale, qui soit proche de la préparation physique générale. Voilà, tout ça, c'est offert. Si ça vous intéresse, je vous invite à cliquer ici, rentrer votre mail. Vous allez tout recevoir directement par mail. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, encore une fois, n'hésitez pas à liker, partager et à commenter. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!